En 1990, Nicole Kidman a épousé Tom Cruise alors qu'elle n'avait que 23 ans. Ensemble, ils ont formé un des couples les plus glamour d'Hollywood. Très vite, le couple a décidé d'agrandir sa famille en adoptant la petite Isabella Jane Cruise née en 1992, suivie de Connor Cruise née en 1995. Après leur séparation en 2001, les deux enfants, très proches de leur père, préfèrent rester aux côtés de celui-ci. Tout comme son père, Connor Cruise est membre de l'église de Scientology, il s'est aussi essayé au 7e art en décrochant des rôles dans des films comme Cette vie, en 2008 aux côtés de Will Smith et dans L'aube rouge, en 2012. Mais, si est sur la mer que le jeune a trouvé sa véritable passion. En effet, il est passionné de pêche et n'hésite pas à partager sur son compte Instagram, ses plus belles prises. Même s'il est très discret sur sa vie privée, Connor Cruise est connu dans le milieu de la musique sous le nom de DJ C-Squared. Connor Cruise, comment il a coupé les ponts avec sa mère, Nicole Kidman aujourd'hui âgée de 25 ans, Connor Cruise a pris la décision de couper les ponts avec sa mère, celle-ci n'appartenant pas à l'église. Il m'appelle Nicole, et je déteste ça, se plaignait la maman. Isabella et Connor sont des adultes aujourd'hui. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont fait le choix d'être scientologues et, en tant que mère, quel que soit mon avis, si j'estime mon devoir de les aimer, confiait-elle au magazine australien Nous en 2007. L'actrice peut néanmoins compter sur son mari Keith Urban et ses deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret pour se réconforter.